Bonsoir et bienvenue sur Place des Libres Citoyens. Une petite vidéo pour vous faire part d'une information que j'ai eue ce soir en écoutant France Info, que j'ai complétée avec d'autres ressources que je possédais déjà. Donc il faut aller dans le petit espace emploi. Et derrière cette arme, il y a un passage secret avec une trappe que vous prenez. Donc il s'agit d'une... en fait, c'est un dossier de l'association CLCV, une association nationale, sur l'augmentation des frais bancaires. Pour les clients à bas revenus, surtout de toutes les banques françaises. Donc ils ont fait un article sur leur site. Donc là vous arrivez dans un autre espace. La porte du bas vous mène à entrée de coworking. Celle par laquelle vous arrivez, on retourne sur Place des Libres Citoyens. Là vous êtes dans un petit espace où les trois panneaux vous parlent de la situation d'emploi et c'est la salle de gauche. Voilà, nous y sommes. Le premier article est un article de la Tribune qui présente ce que la CLCV a mis en place. Donc voilà. En gros titre, justement, ils disent « Pénalise des personnes aux ressources faibles ». Ça, c'est le dossier sur le site de la CLCV qui a un intérêt particulier puisque si vous allez dans le détail, vous voyez que vous pouvez faire une recherche par secteur et donc vous avez le détail sur votre région géographique. Scandale des frais bancaires, une arnaque à 10 milliards, ça c'est la vidéo du Media Blast qui est très bien faite, qui explique notamment que les banques ne remboursent pas quand vous vous faites hacker, même si elles sont à l'origine, enfin, même si c'est la faiblesse de leur protection au niveau de leur site. Et là, je vous ai mis de quoi visionner le cache à investigation d'Élise Lucet, qui est à l'origine de la précédente vidéo de la journaliste, de début 2021, qui est aussi très bien faite et qui parle des pratiques de notre très chère banque. Il y a deux petites ressources supplémentaires. Un article justement qui explique que les victimes sont peu pas remboursées quand elles se font avoir. Les banques s'en foutent. Et le piratage bancaire des clients mis à terre. Ça, c'est un podcast court, mais assez explicite de France Info. Voilà. Voilà, j'espère que ces ressources vous seront utiles. La porte du haut vous permet de retourner sur Place des Libres Citoyens. Et bien, à très bientôt.